L'affaire de l'espionnage américain n'en finit plus d'alimenter les débats en Europe, notamment en Espagne, où la NSA est soupçonnée d'avoir intercepté des millions de conversations téléphoniques. Des mises sur écoute qui auraient été facilitées par les services secrets espagnols, affirmait mercredi le quotidien El Mundo. Le Premier ministre Mariano Rajoy attend des explications. Il faut clarifier ce qu'il s'est passé et instaurer la confiance, dit-il. Sinon, il est très difficile de travailler en faveur des droits et libertés de nos citoyens. Nous avons transmis une requête au chef du renseignement espagnol afin qu'il vienne témoigner devant le Parlement. Les services secrets européens auraient-ils été complices de la NSA ? C'est ce qu'a laissé entendre le patron du renseignement américain qui a démenti avoir intercepté des millions de communications de citoyens et dirigeants européens. L'Europe et les États-Unis se renvoient la balle et en coulisses, les discussions se poursuivent pour tenter de clarifier la situation. Une délégation allemande était mercredi à Washington.